Salut à tous, une vidéo qui m'a été inspirée par Adrien D de LinuxTrix. Il a fait récemment, et je mettrai dans le descriptif, une vidéo sur comment installer et configurer uBlock Origin. C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. La publicité est devenue le cancer de la toile. Il n'y a pas autre mot, c'est un cancer visuel. Si vous voulez vous choper un cancer de la rétine, surfez une heure ou deux sur des gros sites sans bloqueur de pub. Si vous avez encore une rétine fonctionnelle au bout d'une heure ou deux, félicitations. Donc, je ne peux plus naviguer, c'est-à-dire je ne navigue plus sans bloqueur de pub depuis des années. Je tiens à ma santé mentale et à ne pas me développer trop d'ulcères. Donc, pour vous montrer un peu le niveau du cancer qu'est la publicité, je vais lancer Firefox, compiler maison, mais en créant un profil. Alors, c'est moins le profil. Voilà. Avec un profil tiers. Voilà. Donc pour moi, ça sera moins profil manager et. Voilà. S'abonne. Donc je me crée un profil de test. Mais c'est pas ça que je vais faire. Alors c'est peut-être moins P et. Voilà. Donc je me crée un profil. Je me crée un profil de test. Pour vous montrer justement pourquoi il faut un bloqueur de pub. Voilà. Start Nightly. Et aussi je vous ai parlé pour voir aussi ce qui est devenu Ad Unblock. Donc là, voilà. Ce qui est devenu l'anti-bloqueur de pub. Ad Unblock. AdUnblock se trouve sur adunblock.com. Qui est un bloqueur de bloqueurs. Vous devez voir les bloqueurs de bloqueurs de bloqueurs. Bref. Il déclare sous le. Avec une étude un peu. Voilà, donc c'est 23% de votre chiffre d'affaires publicitaire qui disparaît parce que la pub est bloquée. Et il déclare pompeusement avoir tué 9 722 015 bloqueurs de pub. Ouais, et mon cul, il se fout à côté. Donc, alors je pourrais parier que si on regarde, voilà, je pourrais parier que ce soit incrémenté toutes les 10 à 15 secondes. Le bloqueur, bref, le compteur. Outre le fait que c'est payant, ils nous disent ouais, le problème, il faut miser sur la pédagogie, gna, message non intrusif, gna. Bullshit. La publicité, c'est le mal incarné. Ne serait-ce que pour la pollution visuelle. Donc je reviendrai sur AdUnblock après. Là vous voyez, c'est un profil où il n'y a aucune extension. Bon, je n'ai pas poussé le vis à installer Chromium Upper Flash et Flash Hyper Plugin pour ne pas rajouter la dose supplémentaire plus en flash, mais déjà, sans les pubs en flash, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a aucune extension. Voilà. Donc, on va aller par exemple sur lemonde.fr. On va compter le nombre de pubs qu'il y a. Apparemment, il y a une pub ici. Une autre série de pubs là. Une troisième série de contenus sponsorisés, donc c'est de la publicité. On va parenter. Donc déjà, si on... Quatrième pub. Et à parenter.
Là, c'est une forme de pub, ça fait 5. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà, en gros, on a déjà au moins, on va dire, 4 à 5 placards publicitaires. On va aller sur le point. Alors, voyons. Déjà, le point fait ramer à mort l'application. Merci mes couilles. Pardon. Alors. Bam. J'ai rien à péter de ça. Apparemment, il n'y a pas trop de pubs. Ah si, il y en a une déjà. Ne parlons pas bien sûr du contenu putaclic, n'est-ce pas? Deux pubs. Déjà rien que deux pubs. Il y a des progrès. On va aller sur le Figaro. Et un beau panneau publicitaire, on n'a pas encore scrollé la première page, boum! Un beau panneau publicitaire. Deuxième panneau. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Et encore, je n'ai pas mis la pub, je n'ai pas mis le flash. Huitième, neuvième. Il y a facilement une dizaine de panneaux publicitaires. Allez, on va prendre ZDNet. Et boum, premier panneau publicitaire. Deuxième. Troisième, avec une pub en flash qu'on peut... Enfin, une pub, pas en flash, mais en HTML5 qu'on peut bloquer. Alors, ensuite... 6 6 pubs dans une vidéo. Comment dire? Voilà ma réponse au site qui abuse de la pub. Et on va terminer par exemple avec le site de la Linux Mint. Sponsor. Alors déjà, il y a au moins 3 sponsors, donc on peut considérer que c'est de la pub. Ça aussi c'est de la pub. Voilà, et repub. Non mais je m'excuse, vous avez vu, sur un site internet de distribution Linux, il y a au moins 4 ou 5 panneaux publicitaires. Peu importe la distribution en question, c'est aller vous faire foutre. Je ne viens pas sur les sites de distribution Linux pour bouffer de la pub. Merde. Donc, revenons-en à Adblock. Donc, bien sûr, il parle de pédagogie, et gna gna gna, et passe-moi la pommade, et vas-y que je monte comme un arracheur de dents sous amphétamine. Bref. Tiens, c'est encore monté. Bon, ben ça, c'est sûrement un truc. Bref. Donc, étant donné qu'ils ont perdu pas mal de... puissance de feu, ils nous ont sorti le bulker de pub éthique. En clair, un entubage profond. Je veux bien qu'Adblock Plus ait joué au con, mais eux, c'est pas mieux. Donc, je crois que c'est en fonctionnalité. Je sais plus où je l'ai vu. Adblock, voilà. J'ai vu ça sur le site, sur le Twitter de Adblock.
qui est très productif, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et il nous sort une sacrée saloperie le 26 avril. Faire bloc. De l'enculage. Oh, pardon. Pardon. De l'entubage complet d'utilisateurs. Parce que par définition, un bloqueur d'abus bloque tout. Et on débloque à volonté. C'est le principe du pare-feu. On ferme tout et on n'ouvre qu'une seule nécessaire. Là, c'est l'inverse. On ouvre tout et on ne met aucune porte. Ce serait comme de vouloir se protéger d'une contamination par une MST en utilisant une capote trouée. Donc, on va sur le site de Fairblock, que je n'installerai pas parce que je ne suis pas suicidaire. C'est un fork de uBlock Origin. Voilà. Propose de financer des contenus gratuits par publicité et les bloquer sur les sites qui abusent. Il n'y a pas à dire tous les sites ou presque abusent de publicité. Vous avez vu pour Le Monde, vous avez vu pour ZDNet, vous avez vu pour Le Figaro. Même si c'est pas ma bible, merde. La publicité, ce n'est pas l'information, c'est de l'entubage. Donc il y a boycott. La page d'extension est derrière Word of Trust. C'est du foutage de gueule cette extension. Boum, une étoile. Où sont les sources? Simple et éthique. Donc déjà, le seul qui a 5 étoiles, je m'excuse, utilisateur anonyme. Donc on doit dire que c'est un utilisateur d'Adblock, un développeur d'Adblock, enfin de Fairblock. Il a été téléchargé, on ne sait pas combien de fois, mais ça ne va être pas beaucoup. Information de version, 1.6.8. Il n'y a qu'une seule version. Afficher la source. Ouais, c'est vrai que j'ai compris la version. Voilà, ouais, ils ont juste forqué. En oubliant de modifier les trucs, quoi. Ils ont toujours pensé Adblock par Fairblock, ils ont dû modifier 2-3 trucs. Donc, je vous allais comprendre pourquoi il mieux vaut utiliser uBlock. Donc là, je réinstalle uBlock Origin. Qui a plus de 1 million d'utilisateurs enregistrés, Fairblock 101. Ça sent pas le sapin pour Fairblock. Le blocage de pub éthique, c'est du foutage de gueule. Rien de plus. Donc, on installe uBlock Origin. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir le nombre de mouchards et de publicités qui sont tués sur le site que j'ai visité. On va rigoler. Donc, j'ajoute Firefox, merci. Alors, je vais peut-être... Ah, d'accord. Install, un seul. Voilà. Donc, je vais juste modifier un truc dans uBlock Origin. Bon, il peut être en français, mais là, comme j'ai mon outil de développement en anglais, donc automatiquement, il est en anglais. Je ne rajoute qu'une chose. C'est la liste française. Voilà. J'applique les changements. Mais si vous utilisez un Firefox en français, automatiquement, uBlock Origin sera en français. La vidéo d'Adrien D le prouve bien. Donc, ça c'est bon. Je vais dans l'historique. On va commencer par le Figaro. Figaro aussi, Figaro là. Et maintenant qu'il finit de chercher la page. Nous en sommes à 14 éléments bloqués. Rien que ça. Si on regarde dans le détail, alors on va recharger. Alors nous avons tracker de pub, statistiques. Pub, statistique. Voilà. Donc déjà, 14 saloperies sur le site du Figaro. On va aller sur le site du Monde.
Et encore, je n'ai pas activé le bloqueur d'Adblock. 22 saloperies. Ils se foutent pas de la gueule du monde maintenant. C'est pour ça qu'ils ne se plaignent pas que les personnes utilisent des bloqueurs de pub. Regardez déjà la différence. Voilà à quoi ressemble le site du Monde sans la pub. C'est quand même lisible. Donc, on va prendre maintenant ZDNet. Oh ! C'est de nouveau lisible. Il n'y a plus de pub, on ne va plus savoir qu'en faire. Allez, on va continuer avec... lequel manquait ? Le Figaro, le point. Le point, point. Là, voilà. Ma réponse, c'est ça. Dans ce cas-là, il y a quand même 21 saloperies et il nous culpabilise. Allez vous faire. Voilà. Donc, on va bloquer le bloqueur de pub. Et comme ça, on va emmerder les culpabilisateurs, les bonnes âmes du site en question. J'en ai rien à foutre. Je ne paie pas ma connexion pour de la publicité. Non, non, non. Le point est toujours, je ne sais combien de millions par an de subventions. Ils n'ont pas besoin de la pub. Merde. Ils ont un peu moins de soigner leurs actionnaires et donner un peu plus de pognon à leurs journalistes. Donc, on rajoute. Clac, clac. On applique. Et si on recharge. Voilà, messieurs. Allez vous faire voir. Par exemple, on va prendre linuxmint.com. Et d'un seul coup, c'est beaucoup plus lisible. Il y a plein moins de pubs. Oh, ben, j'oubliais le bloqueur le plus influent francophone qui nous affiche combien de mouchards et autres. Oh, que deux. Il fait du progrès. Mais ça donne quoi si on débloque le bloqueur de pub? Il fait beaucoup de progrès. C'est aussi peut-être parce que c'est les vacances. Bon, il n'y a presque plus rien. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour finir? Non, mais vous comprenez pourquoi il est inconcevable de nos jours, ne serait-ce que pour la santé de vos yeux, de votre rétine, de naviguer sans bloqueur de pub. Je peux vous dire le soulagement que je demande à des personnes. Dis, tu veux pas que je t'installe un bloqueur de pub? C'est tout juste si ça ne me baisse pas les pieds. Messieurs les responsables de site, vous avez joué au con avec la publicité. Vous avez voulu aller trop loin. Vous prenez le retour du bâton. Vous bloquez les bloqueurs de pub. Très bien. Continuez vos patestes guerres. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, les soi-disant bloqueurs éthiques, qui sont aussi éthiques... Non, je ne dirai pas la comparaison qui me vient à l'esprit, je risque d'être censuré sur YouTube. Voilà. J'ai pas envie de me prendre un strike en pleine tronche. Donc, vous comprenez pourquoi uBlock Origin est indispensable. Vous avez vu quand même la différence. On va prendre Clubic, M6 Informatique. Ne serait-ce pour savoir combien il y a de saletés qui sont bloquées. J'ai même pas cherché la page, j'avais déjà 11 mouchards. 19 bloqués. 19 mouchards ou éléments bloqués. Et si on débloque, soit quand même 27% de la page chargée, donc on va recharger ensemble sans le bloqueur de pub. Et je sens qu'on va pouvoir aller voir l'ophtalmo pour des problèmes de vue. Et ça rame.
Vas-y, je te charge la saloperie. Bah. Je comprends pourquoi maintenant je n'ai plus foutu les pieds sur Cubic depuis des années. Un dernier, je vais vous montrer quelque chose par rapport à Génération NT. Génération NT, Numérama, enseignement à Saturne. Parce que si on va sur Numérama, enseignement à Saturne, sans bloqueur de pub, on a droit à ça. On va déjà avec des bloqueurs de pub. Il y a quand même déjà 5 satellites qui sont bloqués. Donc je débloque. En rechargeant. Boum. Boum. Déjà ça, mais si on va avec le bloqueur de pub, mais sans la liste des bloqueurs de pub, enfin la liste des anti-bloqueurs, c'est-à-dire je vais prendre le bloqueur de pub, mais désactiver la liste des anti-bloqueurs. Ce sera plus simple de montrer en vidéo. Donc je vais dans les filtres et je débloque. Voilà, je désactive ces deux-là. Maintenant, si je revais sur Numérama en bloquant, il va détecter dans le bloqueur de pub. Et il va nous faire sa petite pub, enfin sa petite culpabilisation. Voilà. Ça se contrôle très bien la culpabilisation. Si on réactive les anti-bloqueurs, clac, clac, bam. Et si on recharge avec le bloqueur de pub activé. Voilà pour la culpabilisation, voilà pour ce que vous êtes. Si je sais, c'est très mal poli, mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me culpabilise, j'en ai marre qu'on prenne les gens pour des cons sur Internet. La publicité, c'est de la pollution et rien d'autre. Désolé pour les manipulations de la vidéo, mais quand on est énervé, ça soulage. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.